Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de venir au micro de la Radio des Ours, de nous rejoindre pour nous parler de votre engagement, sportif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment vous êtes arrivé au sport? Je suis arrivé au sport déjà par mon oncle, qui était passionné de ski de fond. Et puis, on a commencé le ski de fond avec les jeunes du village. À l'âge de 10 ans, on était une dizaine de jeunes. C'était super cool. Ça a été un moteur, je dirais, pour toute ma vie. Après, j'ai eu la chance, par rapport à ça, c'est d'être quasiment en équipe suisse de ski de fond. Et puis, vers les 25 ans, quand le sport, j'ai baissé un tout petit peu, j'ai commencé à faire autre chose. Puis j'ai fait aussi le moniteur à ski de fond. Et puis, vers les 30, j'ai pris la présidence du ski club. Parce qu'ici, c'est presque, je ne vais pas dire que c'est une obligation. Pour moi, c'était une obligation de rendre la chance qu'il m'avait donnée, il m'avait aidé. Et puis, pour moi, il ne suffit pas de prendre dans la vie, il faut aussi donner. Et voilà. Aujourd'hui, vous transmettez donc aux enfants de l'école votre passion du ski de fond, puisque vous donnez des cours aux enfants? Oui, alors c'était... il y a déjà 2-3 ans qu'on a la chance de pouvoir donner des cours de ski de fond aux enfants. Et puis, pour moi, ce qui a été exceptionnel cette année, j'avais une jeune qui m'a dit, je fais souvent des épreuves multisports quand on donne des cours de ski. Multisports. Alors l'idée, c'est de... on a tous des points forts et des points faibles. Et puis là, elle avait gagné le multisport, elle a dit, c'est la première fois que je gagne quelque chose. Pour moi, quand j'en parle, ça me donne les frissons. Et Alexandre, avant, on en parlait aussi avec Marie-Hortense qui a grandi dans le village. Elle disait que c'était parfois dur la jeunesse dans un village isolé comme Trien. Mais vous en avez profité à fond avec le sport, pour le coup, avec le ski notamment. Oui, alors c'est clair, moi je n'étais pas comme les autres. Je n'avais pas besoin de sortir en boîte. Moi j'étais, je ne vais pas dire obnubilé, mais j'étais passionné. Ce que je suis toujours maintenant, passionné par le sport. J'avais envie d'arriver. Et puis pour moi, pour arriver, il n'y a pas photo. Il faut se donner les moyens. Et puis, je m'entraînais. Et puis, quand on s'est beaucoup entraîné, on a besoin de récupérer. Donc, les discothèques, c'est pour les copains. Mais, pardon, je veux dire que ce n'est pas pour moi, mais ça me concernait moins. Et vous êtes distingué notamment avec le scalpinisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette discipline pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors le scalpinisme, c'est simplement de la randonnée en peau de phoque l'hiver. Et puis vous faites une ou plusieurs montées et aussi plusieurs descentes. Et puis à la fin, déjà c'est en équipe. Ouais. Et pour moi, le challenge qui était un compétiteur de ski de fond, où c'était essentiellement individuel, pour moi, l'équipe, ça a beaucoup de sens. Parce que l'équipe, c'est une chaîne, c'est un lien, c'est jauger les gens. Ce qu'aujourd'hui, je jauge quand je vais comme accompagnateur, j'aime écouter, voir, sentir. On écoute la respiration, on dit « Ah, là, on est un peu vite » ou comme ça. Et ça, moi, ça me passionne. Et c'est la course qui a rempli ma tête pendant peut-être presque 10 ans, c'était la patrouille des glaciers. Et puis on avait une équipe chez les gardes-forts qui était performante. Et puis là, j'ai eu la chance de faire avec mes collègues, on avait fait le doublé, et moi j'étais dans l'équipe qui était deuxième. Et elle se passe où, cette course de la patrouille des glaciers? La patrouille des glaciers, on part de Zermatt, et puis on finit à Verbier. Ah oui, c'est une belle course. Ah c'est une belle course, ça fait quelques kilomètres. 56 km et puis je ne sais plus combien de dénivelé. Mais voilà, j'ai eu la chance en 94, comme diraient les Français, c'est que ce soit, on était des très bons amateurs. Aujourd'hui, c'est devenu très élitaire. Les meilleurs sont très élitaires. Et aujourd'hui, les meilleurs nous mettent passer 2 heures sur le temps qu'on mettait à l'époque. Alors j'ai beaucoup de respect et on voit que le professionnalisme, ça a du bon. Par contre, nous, on avait la chance d'être une équipe de copains. Aujourd'hui, c'est une équipe d'athlètes de pointe. Ouais. Et vous parliez justement que vous faisiez cette course avec les gardes-forts. Vous êtes aussi en charge des fortifications, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce rôle? Alors, les fortifications, il faut s'imaginer que la Suisse, pendant des années, on a cru qu'on était une forteresse.
Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tous les points qui étaient un petit peu délicats, on essaye de les renforcer. Typiquement, on essayait de bloquer un ennemi qui viendrait depuis la France, qui allait envahir les grands axes. Alors il y avait des ouvrages militaires à Châtelard, il y avait au col de la Forclaz, à Littrau. À Littrau, ben, j'ai aussi travaillé, j'ai travaillé dans cet ouvrage. Après, si on va au défilé de Saint-Maurice, c'était vraiment l'axe principal du Grand Saint-Bernard. Et puis c'était vraiment le général Dufour, qui était un de nos grands généraux en 1800, et je ne sais plus exactement la date, mais eh bien, lui, il a vu qu'il fallait utiliser ses renforcements naturels du terrain pour pouvoir être plus sûr, entre guillemets. Et vous vous investissez aussi pas mal dans la vie du village, notamment avec les pompiers, si je ne me trompe pas. Vous pouvez nous en parler aussi de votre rôle dans le village. Vous faites plein de choses dans ce village. Oui, alors, j'ai été commandant du feu, mais il y a déjà passablement d'années. Avec mon travail de militaire, ben, j'étais souvent loin. À un moment donné, quand on a fait une restructuration au niveau des pompiers, et puis qu'ils commençaient à mettre du piquet, j'ai dit, ben, il y a des gens qui sont sur place. Je crois qu'il ne faut pas être attaché aux choses. Il y a des gens qui bossent là. S'ils veulent reprendre, ils peuvent reprendre. Et moi, je me suis gentiment retiré pour faire autre chose. Par contre, pour moi, c'était important de... J'ai perdu ma maman dans un incendie très jeune. Je devais régler un problème au niveau de l'incendie. Et puis quand j'ai eu réglé mon problème de l'incendie avec cet ennemi, entre guillemets, en parlant militaire, eh bien, j'ai tourné la page du feu. Mais par contre, je suis toujours très admiratif de l'engagement des gens. Des femmes, maintenant, il y en a un petit peu moins, mais quand même. Quand j'étais commandant, on avait quasiment le 50% de notre compagnie qui étaient des femmes. Parce qu'on avait comme philosophie, ces femmes étaient les seules personnes dans le village. S'il y avait un incendie, c'est les seules qui pouvaient mettre la goutte d'eau pour éviter que la maison brûle. Et pour moi, c'était important. Il fallait former tout le monde. Tous les gens, les bonnes âmes. Et ce qu'on a aimé faire aussi, c'était on faisait une école du feu. L'école du feu, c'était pour apprendre toutes les personnes qui voulaient apprendre à utiliser un extincteur. Parce que j'aime dire, quand je donne une instruction au niveau du service du feu au travail, j'aime dire, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? Touche pas à ça, petit con. C'est un petit peu cru, mais enfin, c'est la réalité. Et par contre, un extincteur, c'est un ami, c'est pas un ennemi. Et qu'est-ce que ça vous fait, là vous êtes un enfant de Trien, si je puis dire, qu'est-ce que ça vous fait de voir un couple comme Anya et Raphaël proposer cette yourte des amis, même l'hiver quand il n'y a pas beaucoup de bars ou pas du tout dans le village, et qui proposent voilà, un lieu pour que les gens de Trien puissent se rencontrer? Ça vous fait du bien aussi, ce genre d'initiative? Mais pour moi, c'est l'essence, c'est des gens comme ça, il en faudrait plus. Parce que déjà, c'est des entrepreneurs. C'est des jeunes qui sont motivés. C'est des entrepreneurs. Et puis, ils sont aussi accompagnateurs, les deux. Donc, ils ont ce côté entrepreneurial qui manque quand même pas mal, des fois, aux gens de la montagne. Parce qu'on est entrepreneur, mais jusqu'à une certaine limite. On se dit, ça commence... On est tous multi-activités, mais on n'est pas purement une chose. Voilà. Et vous êtes aussi accompagnateur en montagne, passionné de sport. C'est quoi vos endroits préférés autour de Trien pour aller monter en pot-de-foc l'hiver ou aller randonner là cet été? C'est quoi les lieux où vous allez au-dessus de Trien? Ben nous, on va à Caraille. À Caraille, c'est en dessus des Tseps, ici entre les deux montagnes. Hein. On va à la Pointe des Grands, on va au col de Balme. Disons qu'on n'est pas... On est amoureux de tout ce qui est montagne, donc c'est pas... Puis après, si je donne tous les coins, on sera beaucoup trop. On aime. Mais vous êtes attaché justement aussi à cette image un peu voilà, communautaire de Trien, oui. qui est différente de Chamonix à côté, par exemple, de la vallée de Chamonix, où il y a énormément de monde, où c'est un peu du tourisme de masse. Vous êtes attaché aussi à cette idée de petit village, convivial, etc. Alors oui, et puis... Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être attirer des copains, mais quand les installations ne se sont pas faites il y a des années en arrière, moi, je pensais que c'était peut-être une chance. Parce que de faire du tourisme de masse, ben, c'est clair. On voit à court terme, c'était intéressant, mais à long terme, eh bien, on n'a rien qu'à aller autour actuellement quand ils sont en train de démonter les installations
puis on voit un petit peu. Ils n'ont pas encore ressemé, ils n'ont pas pu ressemer, l'herbe encore pas revenue. Mais quand on voit les stigmates dans la montagne est belle, mais comment trouver le juste équilibre entre utilisation de notre montagne et tourisme? Et je pense que pour moi, la clé, ce sera le tourisme doux. Et je me réjouis, il y a un magnifique projet dans la vallée du Trien. C'est le parc régional naturel qui est pour moi une chance, pas pour moi. Parce que moi, j'ai 55 ans. Dans 10 ans, je serai à la retraite. Mais pour les jeunes, il faut leur donner du travail. Il faut leur donner une chance. Et est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ce parc naturel de la vallée du Trien? Oui, alors c'est pas seulement la vallée du Trien, mais c'est aussi les Dents du Midi. Parce que ce parc régional, il va partir depuis Saint-Maurice, puis qu'il va revenir... il va faire les Dents du Midi, l'Arpie et Martigny-Combe. Et pour moi, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir les richesses de notre terroir. On a des particuliers géologiques. Typiquement, il y a 10 jours, je crois que vous avez été aux dinosaures, aux traces de dinosaures. Là-haut, on peut aller, on y est. On est à la plage. On les voit, ces magnifiques traces fossilisées. Et puis... on aimerait pousser plus vers une protection, puis surtout une information. Parce qu'on protège jamais aussi bien que quand on connaît les choses. Merci beaucoup. Mais j'ai chose juste à rajouter. Moi, j'ai l'impression que vraiment la transmission, c'est l'un de vos leitmotivs dans la vie. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai parce que je suis aussi formateur dans mon entreprise. Et pour moi, quand j'ai dit au début que j'ai eu la chance de recevoir au niveau compétition. Et aujourd'hui, j'aime transmettre, et c'était mon travail de mémoire. Mon travail de mémoire, j'ai dit ultra-endurance dans la vallée du Trien, comment préparer un objectif autrement. Je défendais comme quoi on peut préparer un objectif tout en aménageant des plages avec les gens. Et puis, hier, j'ai fait de la compétition. Aujourd'hui, je l'ai faite. Et puis maintenant, je partage avec les clients et puis je les fais grandir. Parce qu'il n'y a rien de plus beau de voir grandir, que ce soit un enfant, un client, un ami. J'ai eu la chance de refaire la patrouille avec des amis, c'est extraordinaire. Merci beaucoup pour ces mots. Merci à vous.